Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. Elle pousse depuis plus de 300 ans sur ces terres fertiles de la haute vallée de l'Aude. On l'appelle la patane. Commercialisée depuis 1997, elle est fière d'être devenue marque Qatar. Voici la pomme de terre du pays de Sceaux que l'on cultive à 1000 mètres d'altitude. Sans aucun engrais, sans aucun conservateur ni anti-germinatif, seulement un peu de fumier de vache. Inutile de l'irriguer, la nature s'en charge, important par ces temps de sécheresse. On l'a dit, authentique et délicieuse, on peut la préparer cuite à l'eau, au four, en purée et même en frites. Les 14 coopérateurs qui la font vivre ont choisi la qualité en en faisant un produit haut de gamme. Ils produisent chaque année 250 tonnes et désormais ce sont 5 variétés qu'ils sont fiers de présenter au public. Cultivée entre mai et septembre, la pomme de terre du pays de Sceaux aime se montrer en agriculture conventionnelle ou bio. La coopérative est située à Espezène, non loin de Quillan. Son site internet mérite votre visite. C'était Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar.